Hello les amis, petite vidéo sur les bords de Loire en camping-car. Je vais vous faire découvrir la levée de la Divatte à 15 minutes de Nantes. Et aussi en fin de vidéo, je vous mettrai une petite recette de gâteau que j'ai réalisée. Nous vous souhaitons un bon visionnage et à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Allez, à bientôt! Bienvenue les amis, on vous prend avec nous pour une nouvelle aventure. Pour les gens qui nous découvrent, nous retraités aventuriers, nous voyageons avec notre camping-car Pepeto. Et le nom de notre site YouTube est la Virée de Gigny. Nous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. Et on vous dit à bientôt. Salut copain, allez c'est parti pour faire un petit essai. Je suis sur Chantosso là, ça a l'air sympa. Vous voyez en face là. Donc faut peut-être que je mette ma ceinture avant de partir quand même. Ce serait peut-être mieux. Donc là vous voyez un emplacement parking camping-car. C'est très sympa en bord de Loire comme ça. En face, il y a le bar, le restaurant, le port du moulin. Voilà, et on peut faire des belles promenades. De l'autre côté, vous avez Oudon, en traversant le pont, Loire Atlantique. Voilà, on passe ici la Loire à vélo. L'été, il y a un bateau, le bateau promenade de la Luze. Très sympa aussi. Là ça secoue un peu, hein. C'est des pavés. Hein, ça bouge. Bon. Merci, ça tient. Donc là nous arrivons à La Marraine, commune de Redangeau. La commune la plus loin, dirais-je, du Maine-et-Loire, en 49. Donc voilà, La Varenne. Donc je vais aller un petit peu plus loin que le centre pour retrouver les bords de Loire. Donc le public a plus de pour pouvoir découvrir les différentes productions. Et voilà, toujours un hall qui est très porteur et beaucoup des rien de plus à filmer là. Donc bon, on a un soleil super cet après-midi, c'est très agréable. Bien sûr, et de cet échange de fierté sur ces produits. Je pense qu'il va faire bon à faire mes essais. Je vais vous faire voir un petit peu les bords de Loire, côté juste à quoi 20 minutes de Nantes. Là. Allez, à tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir sur la gauche là, beaucoup de maraîchers. Tout le long, c'est que des maraîchers. Hein, donc la terre très sableuse. Hein. Donc voilà, à ma droite normalement là il y a la Loire qui est à 150 mètres là. Et puis autrement, donc que des maraîchers. Je dirais sur une dizaine de kilomètres, il n'y a que ça.
Donc c'est vraiment une petite route, une levée là, qui longe la Loire, qui est limitée à 70 km/h. On n'est pas trop trop large, mais ça passe bien avec le camping-car, hein, il n'y a pas de souci. Que des maraîchers partout, 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 partout. Sous là, à droite de la route, là, il y a une voie cyclable. La Loire à vélo, en fin de compte, qui longe le long. Hein. Et c'est très agréable aussi de faire du vélo là. Bon, c'est le problème, il n'y a pas trop de parking pour se stationner avec des camping-cars. C'est très compliqué. On arrive à Saint-Simon, de la chapelle Bosmer. Là, il y a un pont qui traverse la vallée là, et la Loire, qui emmène à Mauves-sur-Loire. Bon, c'est limité, 3,20 m de haut, 2 m de large, donc pas question pour un camping-car. Ou encore au Sable d'Olonne, eh bien les nuages commencent à se dissiper au fur et à mesure. Ouais, donc je fais un petit tour du rond-point pour vous faire voir. Il fera donc de plus en plus beau cet après-midi. Le pont. Voilà, vous voyez le pont. Encore un entre 10 et 11 degrés. Demain, une petite passerelle pour les vélos à côté. Donc je continue la route. Les parkings au-dessous, mais avec des barrières à 2 mètres, donc vous voyez, c'est pas accessible. Pas accessible aux camping-cars, ils sont pas gentils. Donc là, j'ai baissé la musique. Là. Donc j'arrive sur un spot là qui est pas trop mal, très agréable. Ouais, très agréable. Je vais voir si je peux me positionner là. Allez voir, on voit la Loire. Ouais, c'est sympa là. On est vraiment en bordure de Loire. Là. Vous voyez la Loire là. C'est sympa, sympa comme tout. Je crois que je vais faire une petite pause ici. Waouh, c'est joli. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On va faire une petite sortie. La levée de la Divette, dernière digue de la Loire, a été réalisé pour contenir les caprices de la Loire et permet le développement des cultures maraîchères. La levée de la Divette est la dernière digue de Loire achevée en 1856, construite de Saint-Sébastien à la chapelle Bosmer, Divette-sur-Loire, sur pratiquement 16 km pour contenir les terres des crues ravageuses du fleuve et permet le développement des cultures. Elle porte le nom de la petite rivière, la Divette, à la frontière entre le département de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, frontière historique entre la Bretagne et l'Anjou.
Salut. Donc, comme vous pouvez voir, je suis sur les bords de Loire, positionné sur un petit spot là, très sympa. Hein? Très tranquille, un petit peu près de la route là, mais bon, on est bien. C'est sympa. Donc, de l'autre côté de la route là, c'est les maraîchers. Je vais vous faire voir. Ça va préparer les terrains. Les tracteurs tournent, tout. Les maraîchers de la Divatte, qu'on appelle. Voilà. Travail. Les salades, les je sais pas quoi. Ce qu'ils mettent en ce moment, les semis. Beau ciel bleu, c'est super, super, super. Et Pepeto est en bas, tranquillos, sorti au soleil. Noir et belle là quand même. Ça roule. Hein. La Loire est belle. Bon, c'est reparti les amis. On va reprendre la route du retour. Alors, je vais sortir là. Et les maraîchers au-dessous là. Il y a du monde. Un bateau là, il n'est pas fier le gars. Pas 70. Une voiture qui arrive. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Toute la le mur qui longe la route qui tient cette bordure. C'est sympa tout le long, hein, comme vous voyez. On chute cette Loire. Ce fleuve qui
C'est assez haut par là encore, parce que les marées se trouvent. Quand il y a des marées, forcément des marées assez fortes. Là, on a 1,50 m de dénivelé d'eau à chaque marée. Quoi. C'est pour vous dire que ça se reconnaît quand même assez loin. Regardez, c'est beau la Loire là, vous voyez, tout le long. C'est sympa. Donc là, on traverse toute la partie maraîchée. Je me dirige sur la chapelle Basse-Mer. Oui, c'est bien ça, oui, la chapelle Basse-Mer. Là. Donc là, hein, que des maraîchers tout le long. Que de la vallée, enfin, du terrain sableux pour les maraîchers. Je viens de traverser un pont là, de la chapelle Basse-Mer. J'arrive à la chapelle Basse-Mer dans le centre. Bon petit village. Ok. Voilà. Petit village sympa. Et aménagé. Là. C'est une voie en sens unique comme c'est là. Ok. Bon. Là c'est marrant, il y a un, sur le rond-point un petit tracteur, là, vous voyez, qui est en exposition, là. C'est drôle. C'est bon. C'est sympa. Là on repart de la chapelle, Basse-Mer. Traverse la zone là. On va venir un peu chez les maraîchers comme c'est là. Et on va se diriger sur Saint-Julien de Concelles. Saint-Julien, c'est pareil, c'est une ville qui est à un quart d'heure, 20 minutes de Nantes. Bon, je suis arrivé à Saint-Julien-de-Concelles, comme je vous disais tout à l'heure. Malheureusement, pour trouver un parking accessible au camping-car, très délicat, difficile. C'est dommage. Là, il y a un camping à côté. On peut même pas y entrer. Le parking au bord du lac, il y a un grand lac. Je vais vous y emmener tout à l'heure. Ma foi, il y a un portique. Pareil, métallique et tout, là, tu ne penses pas non plus. Très compliqué. Donc, ben voilà, je vous dis à tout à l'heure.